Bonjour. Alors aujourd'hui, voici une guidance pour le sacré masculin, un peu particulière parce que j'ai décidé de prendre Algariel aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti, les cartes divinatoires d'Algariel, un petit peu de le normand aussi quand même. Allez, séance, séance. Je viens de faire une séance de yoga. Avec une cliente, et c'est pour ça que je me mélange les pinceaux. Alors, j'ai dit guidance particulière, une guidance qui peut être intemporelle, une guidance si elle te parle à un autre moment que le jour où je la fais, c'est que c'est le message du jour que tu reçois. Sacré masculin, ici, tu vois, 17 déjà, on est sur le chiffre 8. Alors le chiffre 8, c'est intéressant parce que c'est le voilier avec Algariel dans les cartes divinatoires d'Algariel. Et le voilier nous parle de déplacement, de voyage, voilà, de choses comme ça. C'est une carte positive, on a une notion de liberté ici. Et il y a une véritable transformation, on a quelque chose de positif, une vraie métamorphose où on te dit sacré masculin d'être patient, d'être confiant. C'est vraiment la carte des nouveaux départs. Alors là, on n'a pas le voilier, hein. J'ai fait une réduction théosophique du chiffre 17, 1 plus 7 égale 8, qui me ramène au voilier dans justement les cartes divinatoires d'Algariel. On verra par la suite si le voilier ressort et je te donnais donc là l'interprétation du voilier de manière assez rapide. Non, ici les 17, donc ce sont les ruines. Les ruines, c'est une carte plutôt neutre. La carte qui est au centre nous parle de l'état d'esprit du masculin. Et donc c'est quelque chose qui est lié, les ruines, ça nous rappelle le passé, c'est lié au passé, ce sont des énergies du passé qui sont anciennes, mais c'est aussi la sagesse, on a aussi l'image de l'ancêtre, il y a une notion aussi peut-être d'introspection aussi, tu vois, on a une porte, on a peut-être des murs épais, il y a une notion d'ermitage aussi peut-être. Ici, il est question de connaissance de vie antérieure. D'ailleurs, pardon, les cartes divinatoires d'Algariel sont fortement liées aux vies antérieures, hein, puisque celui qui les a peintes, Alcide Nathanaël, justement, a vu chacune des cartes en rêve. Et ce sont des réminiscences de vie antérieure. Donc ici, il y a la connaissance de ces vies qui est là. Et en fait, cette carte, elle te rappelle que dans toute situation négative, il y a toujours un cadeau caché derrière. Voilà. Donc forcément, elle interpelle beaucoup cette carte. Et il y a une sorte de bilan sur sur ce qui a été parcouru. Hein. Il y a cette notion-là, une sorte de bilan sur ce qui a été déjà parcouru. Sacré masculin, fais le bilan, regarde en arrière et ça tombe bien puisqu'on arrive en fin d'année. Et puis, au niveau affectif, il est question d'une tristesse ici. Ici, il y a des émotions difficiles, peut-être qu'il y a de la nostalgie, il peut y avoir aussi peut-être des regrets. En tout cas, il y a quelque chose de difficile qui a été vécu dans le passé et qui sont peut-être en train de ressurgir ou de se vivre à nouveau. Peut-être que sacré masculin est en train de se rendre compte plutôt, parce que là, il y a une lumière qui est faite, hein, il y a une sagesse, une connaissance, donc se rend compte qu'il a peut-être répété les mêmes schémas de relation en relation. On te dit ici de ne rien regretter, justement de te poser, peut-être comme l'ermite, voilà, cette introspection fait du bien et on te dit que ces expériences, eh ben, elles ont été là pour t'élever, pour te faire grandir, pour te transformer, pour te faire évoluer. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a cette notion, allez, d'aller de l'avant, de te focaliser sur ce que tu souhaites et non pas sur ce que tu quittes ou ce que tu as quitté. On te dit, voilà, d'écrire ce que tu souhaites professionnellement sur une nouvelle page et de tourner la page. Voilà, là c'est une page blanche. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ça peut être des métiers liés au passé aussi, hein, également. Voilà. On a un masculin qui peut être fatigué avec des vibrations plus
plus basse aussi, on te dit spirituellement. Et ça, c'est souvent provoqué par des pertes, ruptures sentimentales, décès, une perte d'estime de soi aussi, ou de confiance en soi également. On va aller voir. Allez. Néanmoins, alors attends, parce que là, je me suis trompée. Je te parlais de toi, parce que ça me parlait de toi, mais Algariel, on fait passé, présent, futur. Donc je continue pour les mettre là. On voit que par la suite, là, néanmoins, tu tires des leçons du passé et tu t'en sors. Les blés, c'est l'abondance aussi, hein. Donc on a quelque chose qui est, tu vois, là, en plus, voilà, on a le 30 ou le 3 et le 10 ou le 1. Il y a une notion aussi de trinité et de ne faire plus qu'un, hein, de ne faire plus qu'un. Ça fait penser aussi aux flammes jumelles. Voilà, les deux flammes jumelles, la source, le divin et une fusion, enfin la fusion des deux, du duo, qui forme une troisième énergie aussi, hein, cette union des deux. Cette complétude. Alors la complétude, on l'a pas par l'autre, on l'a d'abord en soi. Et c'est justement parce qu'on l'a en soi que les choses, que la relation avance, hein, avant toute chose. J'étais sur les blés, je te disais qu'il était question d'abondance. Ici, c'est le travail, hein, c'est l'abondance par les efforts qui sont fournis. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi le foyer, on est aux périodes de fête, donc il y a cette notion voilà, de foyer, de cocon familial ici. Et puis, ben, comme je te parlais d'abondance, eh bien, il y a quelque chose qui peut vraiment montrer le bout de son nez, des opportunités au niveau professionnel, ça peut être des opportunités d'emploi, de création d'entreprise, on parle de projets là qui se réalisent, on parle de rentrée d'argent aussi également, et il peut y avoir besoin d'une nouvelle formation, de nouveaux apprentissages ici. En tout cas, elle est rassurante cette carte là en ce moment. Et après les difficultés du passé, dont je viens de te parler, là, sacré masculin, eh bien, on voit très clairement que le bonheur arrive au bout petit à petit grâce aux efforts fournis, la lumière se fait. On parle de, voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui va arriver là pour l'année prochaine, début d'année prochaine, quelque chose qui se met en place et qui va permettre de sentir bien, d'avoir une satisfaction au niveau professionnel, même familial, hein. Et cette carte, elle indique vraiment l'abondance dans tous les domaines de vie. Voilà, ce ne sont pas que les sous qui arrivent, les rentrées d'argent qui arrivent, hein. Donc, il y a une notion d'harmonie dans la relation, d'harmonie dans le couple ou avec ses enfants au niveau affectif, puisque l'affectif, c'est le sentimental, le familial et l'amical. Il peut y avoir une nouvelle naissance aussi, ou plutôt ou aussi le désir de fonder une famille ou de faire un nouvel enfant. Voilà, d'avoir un nouvel enfant. Et pour les sacrés masculins qui seraient seuls, cette carte annonce une très belle rencontre. Voilà. Une rencontre qui est positive pour toi. Au niveau professionnel, eh bien, il est question toujours d'opportunités, mais là, bah, d'une belle promotion. Ça peut être, on parlait de rentrée d'argent, ça peut être une prime aussi, inattendue. En tout cas, il peut y avoir aussi bah, une belle création d'entreprise, la signature d'un bon, voilà, d'un contrat, peut-être une belle association aussi également. En tout cas, pour une activité qui sera une réussite, hein, derrière, qui sera abondante, qui apportera l'abondance. Et puis, s'il y a recherche d'emploi, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi si tu cherches quelque chose. Et on parle avec les blés vraiment des métiers qui sont en lien avec la terre aussi, qui peuvent être favorisés à ce moment-là. En tout cas, ici, on a un sacré masculin voilà, qui met tous ses efforts dans le professionnel, qui se donne les moyens, en fait. Et pour qui, ben, y arriver, c'est important au niveau pro. Voilà. Mais malgré. Il y a aussi, même si le professionnel est important, le sacré masculin a besoin de réussir au niveau personnel,
au niveau professionnel, eh bien, au niveau spirituel, il y a une ouverture spirituelle. Et on l'a vu avec la carte des ruines, ici, où il y a cette notion de sagesse, de connaissance, il y a quelque chose qui s'ouvre, de lumière. Et encore une fois, de connaissances acquises justement par les expériences des vies antérieures aussi, mais par les expériences de cette vie. Et on te dit justement de ne pas garder ça pour toi, sacré masculin, de vraiment partager ce que tu sais aux autres, peut-être d'être dans une transmission hein, aussi, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose aussi qui me vient là pour tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leur travail. Et c'est quelque chose qui est revenu, je crois, aujourd'hui, certainement dans la guidance que j'ai fait pour dans la guidance du jour sur Instagram, puisque je fais une guidance tous les jours sur Instagram. Il y avait vraiment cette notion que si tu n'es pas bien dans ton emploi, eh bien les choses vont bouger, vont changer. Je dirais même qu'il y a une sorte de force du destin. On avait ça aujourd'hui, je crois. Je crois que c'était aujourd'hui. Ouais, il y avait cette force du destin qui poussait en fait les personnes qui se sentaient pas bien dans leur travail ou malheureuses dans leur travail à changer. Et on te donne la force et le courage. Et effectivement, si je regarde les blés justement avec le soldat, parce que c'est le soldat dont il s'agit, j'allais dire le corps de fer, mais non, c'est pas du tout le corps de fer. Eh bien, il y a une notion de, encore une fois, de se donner tous les moyens. C'est parce que ce sont tous tes efforts, en fait. Tes efforts seront récompensés et tu seras en fait un exemple à suivre. Alors, tu seras un exemple à suivre, une personne sur qui on peut compter. Il y a vraiment une notion de transmission dans ce que tu vas faire par la suite, hein, sacré masculin. Ouais. Ben justement, on va aller voir notre petit soldat que j'aime beaucoup. On parle du casque ou du soldat, c'est une carte qui est positive. Et justement, je disais qu'on te donnait justement l'impulsion, la force en fait, le courage de créer des changements. Et ce sont les forces intérieures. Et on parle de grandes forces intérieures et de grandes forces extérieures en fait. Pour moi, il y a une belle protection hein, sur toi, mais tu as une belle puissance aussi à l'intérieur, un bon potentiel. Et ici, on voit très bien que des décisions importantes seront prises. Et on parle encore de changement. Tu vas vers un changement. Il va y avoir des décisions de prise, des décisions, des prises de position. Il va y avoir quelque chose d'important. Et comme on parlait d'une ouverture spirituelle tout à l'heure avec l'abondance, il y a cette notion aussi, peut-être de faire des rencontres spirituelles aussi également. D'ailleurs, il y a des sacrés masculins qui vont certainement faire une belle rencontre spirituelle au niveau affectif aussi également. C'est tout à fait possible. Évidemment, quand on voit le soldat, on se dit, bon, c'est un peu la guerre, il y a un côté un peu sombre aussi, mais pas du tout, non, non, c'est vraiment justement l'expérience du passé qui va permettre, au contraire, pour l'avenir, et on dit que c'est la carte de grand avenir, là, il y a quelque chose de beau dans ce qui est à venir, d'important. On parlait tout à l'heure de transmettre ce que tu sais. Il y a quelque chose de fort ici, de profond. Et en tout cas, le soldat, eh bien non, c'est quelque chose de positif, de lumineux. Ce sont des décisions importantes ici, vraiment. Prise de position, décision importante et qui mène au succès, qui mène à la réalisation des projets. Parce qu'il y a de la volonté, parce qu'il y a de la conviction, de la détermination. Et cette carte est fortement liée à la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment peut-être qu'on a un sacré masculin ici qui, du coup, qui. Comment je peux dire ça? Qui rentre dans sa mission d'âme, là, carrément.
Et au niveau affectif, il y a une grande confiance. On parle d'une relation solide, unie. Et elle n'est pas. Et je peux vraiment confirmer ça parce qu'il n'est pas du tout. J'ai pas de carte négative autour. Il n'y a pas de conflit du tout affectif. Et si elle était mal accompagnée, cette carte du soldat, ce serait le cas. Mais comme on a l'abondance, on parle vraiment d'union. Donc on a peut-être un sacré masculin. On parlait de prise de position qui va s'unir en fait. Prendre la décision peut-être de s'unir à son autre aussi. Hein. Mais vraiment, là, il y a des déclics, des prises de conscience, il y a quelque chose de plus profond. C'est allez, on y va, on avance, ça y est. Il a une connexion là avec la source, avec ses guides. Et sacré masculin, on te dit d'être vraiment à l'écoute de ton intuition. L'ouverture s'est faite là, écoute vraiment ton intuition. Oui. Non, mais c'est vraiment beau. Tes guides te protègent, hein, en fait, hein, sacré masculin. Il y a une belle avancée ici. Les cartes se parlent, se répondent très très bien. Pour terminer avec Mademoiselle Lenormand, on n'est pas dans la même énergie, hein, tu vas le voir, mais... Alors, ici, le passé reste au passé, tu vois. Je vais faire pareil, je vais faire passé, présent, futur, mais du coup, c'est inversé avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va faire pareil. On va aller dans le même sens que les cartes divinatoires d'Algariel. Je commence par le passé. Voilà, d'accord. On va faire le centre. Le centre sera le présent, c'est inversé, hein. Ouais, il est séduit par quelqu'un, là, sacré masculin, mais... Attention, on avait une personne plutôt toxique. Ouais, mais il avance bien. Il avance bien. Il est question de nouvelles, de rencontres aussi, pareil. Ici, là, hein, de visites, de nouvelles, de rencontres. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui arrive. On voit qu'il y a une belle transformation avec notre alchimiste là qui est vraiment un genou à terre et qui reste confiant. Ouais, regarde, union, association, en carte pour la carte de la pour la conclusion. Hein. Voilà. Non, là, vraiment, c'est positif. Il y avait, effectivement, il y a eu un entourage toxique, voire une personne toxique ici avec la carte du 4 de pique. Mais là, on dit vengeance sans prise. C'est-à-dire, ce que la personne a essayé de faire, ça n'a pas fonctionné hein, dans le passé. Et là, on dit via, c'était le chemin à suivre. Ça nous parlait du mois de juillet. On voit bien que le sacré masculin, là, il y a une notion de séduction. C'est Jupiter qui se transformait en taureau et qui enlève Europe sur son dos. Voilà, il s'est déguisé pour mieux la séduire, pour mieux l'enlever même. Et sacré masculin, il est prêt à tout là, hein, peut-être aussi au niveau affectif et même professionnel pour séduire, hein, pour montrer, utiliser tout son charisme pour arriver à ses fins, hein, quelque part, c'est ce qu'on nous dit aussi. Et avec le 3 de trèfle, eh bien, on peut voir avec le petit sujet de droite que ça va être positif. D'abord, la constellation, bien sûr, nous dit quand même, il va, même s'il est fortement séduit, il va quand même réussir à maîtriser ses sentiments. À ce qu'il ressent, c'est-à-dire que ça ne va pas partir dans tous les sens. Mais là, on a la fusion de principes masculin et féminin. Très clairement, il est question d'union, d'association. Donc, la prise de position, elle peut être sur un engagement ici. Aussi, au niveau professionnel, ça peut être une union, une association aussi, en tout cas. Hein. Il y a une décision importante qui se prend là, qui apportera joie et bonheur avec... l'ensemble floral qu'on peut avoir ici, les pistils et les étamines. Et puis la lettre D, elle va nous parler de détermination, de ténacité, lettre T aussi, la ténacité. Bien que l'as de pique ne nous parle pas forcément du tout de la même chose en mots-clés, parce que ça nous parle quand même d'hypersensibilité, d'émotivité, mais on sait pour ça, hein, la lettre T, hypersensibilité, émotivité, voire même une confusion, mais ici on nous parle de maîtrise des sentiments, d'accord? Donc avec la constellation de la grande ours, hein, ça nous parle, la grande ours, maîtrise des sentiments, quand tu la verras dans le ciel. Et je termine avec donc mon petit sujet de droite, je suis allée droit au but avec la conclusion, qui lui nous dit qu'il y a une amélioration de position, et ça c'est incroyable parce qu'on nous en parlait dans Algariel aussi, tu vois.
Hein, donc, quel que soit au niveau professionnel, il va y avoir de nouvelles informations qui te seront données, qui vont te permettre vraiment une sécurité pour l'avenir, pour le futur. Et tu vois, ça répond à Algariel, on parlait de la même chose. Et dans les échanges relationnels, eh bien, on a une belle amélioration. Il y a aussi de nouvelles informations, des connaissances, mais pour moi, c'est des connaissances qui viennent de l'avenir. On l'a vu avec Algariel. Voilà. Donc, eh ben, écoute, Grand Chemin Lausanne Lenormand va dans le même sens. Hein, une annonce des joies, des surprises. Voilà, vraiment des engagements, des prises de position vues d'une union, d'une association, quelque chose d'important, quel que soit le domaine. Je te remercie pour ton écoute. Et puis, on se retrouve pour une guidance pour les flammes jumelles en cette fin de semaine. Merci à toi. Et si tu souhaites une guidance, écris à lesacréféminin@gmail.com. Je t'enverrai toutes les informations pour une guidance de vive voix avec moi ou alors une guidance enregistrée là, comme sur YouTube, exactement pareil comme sur YouTube, ou encore juste simplement en audio pour des prix tout à fait raisonnables. Voilà, merci à toi.